Donc concrètement, dans les activités que je mène en classe, donc pour ce projet-là, donc en classe, je leur montre d'abord, je donne à chaque groupe un ensemble d'images où ils doivent discuter ensemble et collaborer pour essayer de me trouver une définition, m'écrire un mémo sur le tourisme en utilisant les images, donc ils discutent, tout ça. Je me rends compte rapidement qu'ils discutent encore en français. C'est un bon début de communiquer. Je suis assez pour qu'ils communiquent au début du trimestre en français où on bannit pas le français pour les apprendre à communiquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais progressivement les amener à communiquer en anglais. Et là, c'était un exemple parfait. On arrête, je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a des communications, mais qu'est-ce qui bloque? C'est pas de l'anglais. Donc, je leur montre une petite vidéo conceptuelle où je leur demande de repérer surtout, non pas le contenu, mais les structures qui sont utilisées par les personnes pour pouvoir parler et discuter ensemble. Et du coup, ils prennent des notes, on met ensemble, on fait un petit tableau ici, un petit tableau qu'ils mettent dans leur cahier sur les différentes structures à utiliser, et puis je leur mets, bah, allez, on repart, on rediscute, et puis je passe et je les écoute, et ils essayent d'utiliser un petit peu ces différentes structures. Pendant l'heure, la personne qui écrit, elle m'écrit le mémo. Les autres qui sont speakers, je fais venir un speaker de chaque équipe et je les mets en position de discuter un peu un bilan des photos. J'essaye de voir s'ils sont capables de réinvestir les structures de discussion dans une situation concrète et j'essaye de voir si, qui prend la parole, comment ça se passe. Enfin, de les amener progressivement à utiliser de manière naturelle ces structures de la discussion. À la maison, ils doivent lire un document. Donc, j'ai six groupes. Donc, j'ai trouvé six documents, un par groupe. Donc, c'est des textes à lire, donc il y a différents types de textes qui représentent des différentes formes de tourisme. Chaque groupe a une forme de tourisme sur laquelle travailler. Et pour ce qui est de la compréhension écrite, on a discuté ensemble et on discutait ensemble sur une manière de pouvoir traiter les informations en sachant qu'on a créé ensemble une sorte de grille. Enfin, alors, moi c'est sous forme de grille parce que je suis visuel, mais les élèves peuvent faire autre chose que la grille où on a A2, A2+, B1-, B1, B1+. Et en fait, quelles sont les questions qu'il faut se poser, les types d'informations à chercher, et après on les cherche dans le document. Donc le type de document, les questions basiques, les différentes parties de la structure du document, les idées principales. Et puis une fois qu'on a trouvé les idées principales, hop, pour chaque idée, les détails et tout ça. Pour que progressivement, ils repèrent les choses dans le texte et que la compréhension devienne de plus en plus facile. Les niveaux B1+, B2, souvent je ne les demande pas à faire à la maison parce qu'ils sont un peu plus compliqués, certains élèves n'y arrivent pas, mais je reprends en classe ces étapes-là. Une fois qu'on met en commun, on reprend ensemble ces étapes-là pour être sûr qu'ils puissent savoir comment faire pour la prochaine fois. Les documents sont différenciés suivant le niveau des élèves afin qu'ils soient toujours en situation de réussite. Donc on revient en classe et ils doivent me présenter, chaque groupe doit présenter à la classe une forme de tourisme sur laquelle il a travaillé, donc une grande discussion qui s'engage où ils réinvestissent à nouveau la discussion. Ils doivent me faire une présentation orale, mais pas devant la classe, d'abord par rapport à moi. C'est-à-dire qu'en fait ça passe toujours par moi et on a une discussion par petit comité où je leur donne des indications pour l'oral. Et donc ils écrivent un petit texte. Quand ils sont amenés à écrire, pour la correction, en fait, je ne corrige pas, je ne donne pas les réponses. J'ai instauré un code avec eux, donc tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Quand c'est souligné, c'est bien, mais bon, on peut trouver d'autres structures plus complexes. Entouré, c'est pas mal, et encadré, c'est vraiment des structures super, des structures très complexes, très, très riches, et qu'il faut à tout prix se dire qu'il faut les réutiliser la prochaine fois quand ce sera possible. Et de l'autre côté, en rouge, je souligne des erreurs qui sont embêtantes mais qui ne me gênent pas dans le message. J'entoure des erreurs qui sont dues à plus ou moins une traduction en français et j'encadre les erreurs par contre qu'il faut vraiment corriger parce que ça ne veut rien dire et je ne comprends pas du tout. Ce qui fait qu'ils se corrigent d'abord et c'est quand ils ne trouvent pas qu'ils me font appel à moi. Ils peuvent essayer de se corriger entre eux dans le groupe, mais je suis le dernier recours pour essayer de voir les erreurs qu'ils peuvent corriger d'eux-mêmes. Puis je leur donne la deuxième partie à travailler sur l'écotourisme et je leur demande à regarder à la maison une série de vidéos. Donc au sein d'un groupe, il y a quatre vidéos comme il y a quatre élèves. Et du coup, j'ai codé les niveaux de difficulté des vidéos. Ils se répartissent le travail entre eux. Chacun va devoir gérer une vidéo en prenant des notes, tout ça. Et donc j'ai mis un QR code un petit peu pour ceux qui ont la possibilité avec leur smartphone de pouvoir accéder directement aux vidéos. Si les élèves n'ont pas Internet, je mets les vidéos que je convertis, je les passe sur l'intranet du lycée afin qu'ils puissent quand même avoir accès à ces documents avec une clé USB. Donc chaque élève a regardé sa vidéo. Le cours d'après, ils mettent en... Non, oui, donc ça c'est la grille, qui est un peu la même grille que tout à l'heure en fait, mais qu'on peut adapter aussi à la compréhension orale. Et à chaque fois à la maison, je leur demande de me faire un petit résumé en français du document afin de pouvoir vérifier la compréhension.
en passant par le français, parce que des fois, certains élèves en anglais ont le problème de la barrière de la langue qui peut gêner un petit peu ma compréhension, ma vérification de la compréhension. Mais plus ces élèves avancent, et au final, certains n'ont plus ce paragraphe à français à faire, ils font directement en anglais. Donc, ils doivent débattre sur l'écotourisme. Donc, il y a une discussion qui s'engage dans le groupe sur le pros and cons, papapam pam. Ils doivent écrire un mémo et à nouveau, les speakers viennent expliquer un petit peu où ils en sont. Ce qui les amène à avoir des besoins et sur lesquels je peux venir engager des choses sur le contraste. Enfin, je nourris un peu par rapport aux besoins ou quand les besoins me semblent être des besoins du groupe, je fais un arrêt. J'explique un petit peu au tableau et on écrit dans le cahier des structures qui peuvent servir à tout le monde, qui sont intéressantes. Puis là, j'ai une partie de mon cours qui est un peu plus de la classe inversée 2.0 où je leur donne sur les flux migratoires une vidéo que j'ai trouvée qui est assez magistrale, mais magistrale déportée à la maison où ils doivent prendre des notes, écouter la vidéo. Et du coup, quand ils reviennent en classe, je leur donne dans un groupe des témoignages à lire qui ont rapport avec ça et voir qu'est-ce qu'ils ont compris dans les concepts à réutiliser ici. Et à nouveau, une discussion s'engage, toujours une écriture avec un nouveau writer dans le groupe qui fait que ça tourne et on est toujours dans ce système-là de production totale où eh ben, on est dans la production. Voilà les exemples de textes que je peux donner. Et puis à la fin, on arrive à la mission 4, à la fin du projet, donc où des anciens élèves à moi vont se filmer pour être des clients qui vont expliquer un petit peu leur cas et chaque groupe va devoir choisir un cas et devoir préparer discuter ensemble, écrire la plaidoirie, la présenter après en classe devant tout le monde où il y aura un système d'interaction avec des questions pour savoir quelle est la plaidoirie la plus appropriée, la plus intéressante.